Est-ce que tu peux nous raconter un peu Oui. Les deux derniers jours de course, ça commence à aller vite, plus vite? Ouais, bah là, depuis deux jours, je suis vraiment rentrée dans l'image qu'on se fait un petit peu des mers du Sud, hein, et de l'océan Indien. Donc, je suis dans l'arrière d'un front, donc la mer est un peu désordonnée, il y a pas mal de houle. Et le vent est un peu sans vent, là j'ai moins de vent qu'hier, mais je pense qu'il faut que j'aille renvoyer de la tôle, ça fait des rafales et tout, donc c'est pas facile de savoir comment soigner son bateau. Mais voilà, là j'ai l'impression d'être arrivée dans le grand bain, donc c'est assez fatigant, mais en même temps c'est assez... Enfin, j'avais hâte de voir un peu à quoi ça correspondait, parce que... Comment ça se passe avec Romain qui a pris un peu d'avance? Ouais, bah Romain il pousse toujours un peu plus de vent que moi là, surtout moi je pousse du vent un peu plus refusant, enfin j'ai du mal à ne pas trop le perdre de vue, et en même temps j'essaye de faire ma course, bon, parce que là quand même les conditions hier étaient assez costaudes, avant-hier j'ai fait beaucoup de manœuvres et j'ai eu un petit souci, je suis un peu cramée, et hier j'ai un peu accusé le coup, j'étais un peu fatiguée, donc et ma montre, donc j'ai trouvé le compromis entre suivre Romain et garder le sourire. Marie, ça fait un mois que vous êtes partie, qu'est-ce que tu ressens à cette idée-là? Bah ça paraît pas mal, un mois déjà, c'est cool, je me souviens que... Avant de prendre le départ, je me disais que déjà quand je serai au mois de décembre, ce sera cool. Quand ça sera un mois que je serai en mer, ce sera déjà un bel accomplissement. Donc j'essaye de me rappeler de me rappeler tout ça. Et bon, bah, il reste. On n'a pas été hyper rapide, donc ça fait un mois qu'on est en mer, mais on n'est pas hyper loin non plus. Mais non, c'est cool. C'est déjà, il faut, voilà, donc déjà d'avoir pu passer un mois en verse avant des graves, d'avoir pu passer des beaux accomplissements, donc j'essaie de me réjouir de tout ça.